Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne YouTube Passion Pokémon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mardi. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas faite, mais là on avait une petite occasion pour en faire une. Et on va se faire tout simplement l'auteur d'un petit, alors pas un art-tête malheureusement parce qu'on n'a pas les 4 illustrations, mais de 4 boosters évolution à Paldea parce qu'il nous restait 2 blisters qu'on avait achetés. Et puis pour la première fois je pense, depuis qu'on commence à ouvrir, on a acheté 2 boosters dans un tabac de presse. Donc c'est vrai que moi je me méfie énormément d'histoires de pesage et de machin et tout parce que j'ai pas trop confiance. Mais là bon, la display était neuve, ça avait pas l'air suspect. Donc bon, on verra bien justement, c'est l'occasion de tester parce qu'on n'a jamais ouvert... Parce que comme vous savez, il y a un quota dans les displays, donc c'est vrai que j'ai espoir peut-être qu'on ait plus de chance qu'avec les blisters, mais justement ça va être l'occasion de comparer avec 2 boosters, en loose, c'est ça, et 2 blisters. Donc je vous propose qu'on se fasse un petit duel, et puis avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on montre quelque chose. Donc je commence pour une fois cette ouverture avec un petit blister de Palmaval. Donc on a 2 Palmaval parce qu'on avait un peu oublié en fait ce qui nous restait en stock. Et bon bah voilà, on avait déjà un Palmaval, donc c'est pas très grave. Hein. Écoutez, normalement ça, a priori ça change rien les illustrations, même si on sait jamais, on sera malentendu. Donc comme évidemment. Dans Flamme Obsidienne avec Tyrannosif. C'est ça, voilà, avec ou alors le Dracaufeu qui je crois nous avait porté les bons hits sur le TB. Donc franchement, s'il vous plaît, donnez-nous des i, donnez-nous voilà. Une alternative, des oui, parce que ça va faire partie des peut-être des dernières ouvertures oui, de Palmaval, pense... et après on achètera les cartes de qui nous plaisent à l'unité. Donc bon, allez, petit trick, hop là, allez. Oh, l'énergie feu, bon, il n'y a pas de Dracaufeu malheureusement, mais peut-être. Donc on a un Grondog, elle me dit rien l'illustration, je crois qu'on l'a pas. Palmaval, on n'en a pas beaucoup en fait, on n'a pas beaucoup ouvert. Ça, Paldea. Oui, Évolution à Paldea, on n'en a pas ouvert tant que ça. Moi, ça me plairait bien d'avoir une histoire marquée Palmaval. Ah, mais c'est pas le sanctuaire qui est dans le jeu vidéo, justement. Si, mais ça, je ne l'ai pas fini, donc je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, j'en sais rien. Maryl, ah, elle a une manifeste alternative à Grusha, j'aimerais bien la voir. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Qui est un garçon? Grusha, ça, c'est un garçon. Grusha, mais c'est une fille, mais non? Mais non, parce que dans le résumé, quand je l'ai voir sur la reine, il mettait le snowboarder au lieu de la snowboardeuse. Magie rêve. Bah, ça, c'est peut-être une erreur de traduction. Je peux pas croire que ce soit un mec. La première river, c'est Cradopo. Et il fait le trap des champions. Pas championne. Oh, elle est mignonne, mais non. Poussacha en reverse et... Ah, Mimigay. En plus, on l'a déjà. Enfin, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on ait toutes les holos. Donc... Et on enchaîne donc avec Boubou qui nous ouvre son Flamigator, son Pokémon préféré de l'extension. Donc, bah, peut-être qu'il te portera chance, du coup, qu'il voudra te faire plaisir, on l'espère. Donc, hop, le petit trick. Et on est parti pour ce deuxième booster. Bon, qui n'est pas un blister, hein. Faudra se rappeler de qui est quoi. Énergie combat. Ah, Morocabo. Morocabo. Il est mignon, Pomme. Pomme. Tu vois, c'est un espèce de petit chien. Ouais. Relax. Bacabou. Béquipan. Bon, Brésillon, les jolis. Oui. Premier reverse. Ah. Tantapou et... Tantapou. Tête d'ampoule. Et ouais. Le Mona Flemmy. En vrai, je ne crois pas qu'on l'a. J'écoute là. Si, je crois, il me semble qu'on l'a eu. Ouais, Mona Flemmy, mais... Bah, ce qu'il y a, c'est que les holographiques, tu finis par les avoir assez rapidement. Oui. Hop. Puis en plus, il n'y en a pas tant que ça, en fait, de différentes au final. Donc. Allez, on enchaîne avec maman. Donc malheureusement, ce deuxième... booster sous, pas sous blister justement, n'a pas été très concluant, mais là on retourne sur un blister. Donc après voilà, la display, il y avait 36 boosters à l'intérieur, donc vous vous doutez bien que on aurait eu une chance incroyable si on était tombé sur le booster avec la secrète, mais il reste encore un, c'est Motif Medex qu'il a, donc pourquoi comme pas on dit, le meilleur pour la fin, c'est ça, le meilleur pour la fin. Allez, bon, un petit Baojian. Cela dit, dans les dernières ouvertures, j'ai eu un peu de chance quand même. Donc, Oui, c'est vrai. C'est toi qui avais packé le... Bah, t'avais packé les 2 hits de, ton tri-pack et ton blister. Tu as packé... Oui. Tu as packé le premier hit de l'ETB. Donc, c'était pourquoi pas, hein.
on ne sait jamais. C'est un malentendu. Voilà, si je suis dans une phase chanceuse. C'est ça. Bon, là, si tu packs, je pense que les problèmes de voiture, tu les feras toute seule. Parce qu'on peut dire. Alors, énergie de base. Hexadron. Après, il y avait peut-être la magie d'anniversaire aussi. C'est ça. C'est possible. Apitrini. Rondoudou. Oh, le chou. Avec les petits fleurs à côté, je la trouve. C'est pas joli. Girafarigue. Girafarigue. Pommotte. Bah, tiens, on a eu pomme. C'est ça. Et on aura pas marmotte en holo. Mesmerella. J'espère pas. Ouais, oh, jolie illustration, c'est un petit coucher de soleil. Non, non, elles sont belles les illustrations. Corbos, même si maintenant c'est des AR qu'on veut. Watapic en reverse. Non, c'est comme si c'était un peu bizarre, j'ai un petit énergie peu inversion, ouais. Je connais pas celle-là. Non. Et Gambex. Oh, bah, bah, celui-là, je ne connais pas. Celle-là, on n'a pas celle-là. Bon, bah, peut-être qu'on aura complété au moins une holo. Oui, oh, bah, dans les communes, les peu communes, ça, oui, ça, je pense qu'on va quand même compléter. Il nous en manque, mais... Allez, bon. Motisma, bonne chance à toi. Comme tu dis, meilleur pour la fin, donc c'est sur toi que tout repose. Voilà, ouais, c'est ça. Allez, là, pack nous, Palmaval. Allez, si tu veux. Palmaval, je t'ai choisi, donc tu vas me porter chance. Ouais, c'est ça. Allez, ce serait un peu dommage quand même si on repartait avec 0,8. Ouais. Hein. Alors, c'est vrai que ça vient pas du même magasin, donc on va dire que là, pour le coup, il n'y a aucune chance qu'il y ait une histoire de quota sur 4 boosters, mais quand même. Énergie feu de base, Gribourène. Bizarre ce Pokémon. Germéclat. Virovant. Il est rigolo. Il a une très belle AR surtout. Ouais. Tauros de Paldea. Vu que sa carte est normale est venue, bah, elle va nous porter... Ah, tu crois qu'elle va nous porter chance? Peut-être. Bah, j'aimerais bien. Au moins une AR, ça serait quand même bien. Elige. En fait, les membres du Conseil 4, ça fait un peu l'épreuve de Tipsy. Ah, ok. Tu connais trop de choses. Tétampoule. Oui. Oh oui! Elle est trop mime! Bah, dis donc qu'on est abonné au bec à glaçon. Ah ouais, c'est clair! Après la tête, trop bien! Oh! Oh mais vraiment bon! Ouais! Ouais. J'ai plus de place. Finalement, c'est meilleur pour la fin. J'ai bien fait. Oh, elle est trop cool! Booster en loose! Donc, on est désolé, une fois de plus, mon téléphone a fait des siennes, je pense qu'il faut en changer. Je pense qu'il est un petit peu en train de décéder, mais c'est pas grave. Donc, comme vous avez pu le voir dans ce moment intense, mais très court malheureusement, on a réussi à packer un double hit qui est franchement très sympa, avec une magnifique béca glaçon en AR et un très joli fortress en terre cristallisée secrète. Donc, c'est deux secrets dans un seul booster, c'est difficile de faire mieux, hein. Donc, pour comme quoi, Motismanek avait totalement raison, le meilleur pour la fin. Bravo, Motismanek. Tu as sauvé l'ouverture. Donc, je pense qu'on est pas loin d'être rentable en vrai, hein, parce qu'on en a eu pour, je pense, une vingtaine d'euros, du coup, les 4 boosters. Donc, non, franchement, c'est très sympa. Puis même pour la collection, on a quand même beaucoup complété, sachant qu'on a ouvert beaucoup de boosters et qu'on a rien du tout. Donc là, en un booster, on n'a jamais autant complété, hein. C'était waouh! Beaucoup de hits. C'est ça. Donc moralité, le loose a remporté sur les blisters. Le loose a totalement explosé les blisters. Donc peut-être que on essaiera, peut-être même des fois juste pour faire 4 boosters simples, mais peut-être de les prendre plutôt en display que en blister en fait. Donc on espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis sur ce, on vous dit... Salut les gens !